Bah ça y est, ça démarre. On est dans les journées du tracas, il est dimanche, 9h. C'est parti, ouais. Là, je construis une structure en poussette. Ça devrait monter à 4 mètres. C'est le début, on y croit. Bah ouais, il pleut pour le moment, je suis pas inquiète. L'UNICEF est totalement waterproof. Aujourd'hui, on va fêter la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous joindre à nous. Bien sûr, on va être là. Pour les enfants, c'est toujours bon. Les enfants sont les enfants du monde, là, c'est bien. Bah oui, c'est pour ça l'UNICEF. Mes chers amis, merci d'être là nombreux pour cette opération Poussette Vide. Je voudrais juste d'abord remercier... Aujourd'hui, l'UNICEF se mobilise et est là pour sensibiliser, pour refuser la mort de 7 millions d'enfants par an, de moins de 5 ans, qui sont symbolisés à travers cet amoncellement de poussettes vides. Ce qui rend le combat nécessaire, c'est que ce sont des morts évitables. Aujourd'hui, on a les traitements, on a les stratégies, on sait vraiment ce qui marche pour changer cette situation. Les équipes d'UNICEF interviennent partout dans le monde, dans tous les champs cruciaux. La santé, la vaccination, la nutrition et l'accès à l'eau potable. Mais aussi et surtout l'éducation, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un enfant qui naît d'une mère illettrée a beaucoup moins de chances de survivre. C'est pour ça qu'il est important d'éduquer les femmes et les petites filles. J'ai constaté l'efficacité de ces missions. On sait ce que devient l'argent, on sait ce que les bénévoles montent. Moi, je l'ai vu à Gaza, je l'ai vu au Darfour. Ce nombre de décès a reculé de moitié en 23 ans. Je trouve qu'en parlant de ces chiffres simples et aussi de ces progrès, on se dit mince, si on participe tous un tout petit peu, si on a cet élan collectif, on y arrive et ça recule, ça marche. En fait, on propose aux gens de se prendre en photo devant la structure. C'est un acte militant pour passer le mot de l'UNICEF dans le monde entier. Les gens, ils sont concernés et franchement, ils jouent le jeu. C'est des choses qu'il faut faire tout le temps. Et maintenant, je vais faire 10 photos en plus parce qu'il faut soutenir ces genres de mouvements. Ne nous habituons pas à entendre que les enfants souffrent. Il faut vraiment les aider. Vive l'UNICEF! C'est une très belle opération, un peu perturbante quand même. Very symbolic and very punchy. It makes people think, doesn't it? I very like it. Agir, c'est déjà en parler. People everywhere are as much worth. The message is very clear, yes. Il faut toujours se mobiliser. Toujours, toujours, toujours. Tous ensemble, on forme une grande chaîne qui est capable d'agir et de faire changer les choses. Aujourd'hui, donnons à l'UNICEF.